Et salut à toutes et à toutes, c'est Mr. Kintaro Kaz pour le Kintaro Video Game, mais non, pas vraiment pour le Kintaro Video Game, puisque nous allons nous retrouver pour un nouveau format de vidéo qui va s'appeler la collection de Kiki. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être une vidéo où je vais parler de ma collection, notamment de ma collection de figurines Senseiya. Il faut savoir qu'avant j'avais des figurines Senseiya, j'avais tous les chevaliers d'or X, j'avais les chevaliers d'or, j'avais les V3 classiques, j'avais les V3 X pirates, et j'en avais d'autres. Le problème c'est que j'ai tout perdu, mais vraiment tout perdu. Attends, je regarde, est-ce qu'il y a de... je sais plus s'il y a de mon Bref, bon, c'est pas grave. Parce que j'ai regardé au niveau de mon téléphone portable. J'avais vraiment tout perdu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, depuis quelques temps, j'ai trouvé un travail. Et j'ai envie de me remettre à la collection de Miss Close, mais pas que. J'ai envie aussi de me mettre à la collection de figurines de films, comme les Tortues Ninja, les films 14, qui me font envie. Mais j'avais envie de retrouver, en fait, quand vous expliquez ça, de revenir dans le monde de la Miss Close. Comment vous expliquer ça? De retrouver un peu cette magie de monter une figurine, comme celle-ci par exemple, de monter une figurine, de la. Comment dire ça? De lui faire une pose, de faire comme à l'époque que je faisais, c'est-à-dire des dioramas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, mais écoutez. Alors, j'ai reçu deux figurines. Là, actuellement, actuellement, on va faire la vidéo sur le Pégase V2X qui est là, qui est juste super. Alors, j'avais déjà eu ces figurines-là. Hein. J'avais les 5 V2X, comme je vous ai dit. J'ai perdu ces figurines-là. Donc, voilà. Mais écoutez, on va faire peut-être un petit tour du propriétaire. Donc là, on a le totem Pégase Close. Derrière, on a un visuel du personnage avec les yeux ouverts, la bouche ouverte, les yeux fermés et le regard en coin. Là, ce qui est bien avec ces versions-là, c'est que nous avons aussi là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer en grand. Qu'il fasse le point, ce connard. Voilà, vous avez les armures broken, c'est ça qui est vachement intéressant et j'ai vraiment une idée de scène via ça. Est-ce qu'il va se remettre, est-ce qu'il va faire la point? Attendez. Est-ce qu'il va le faire? Il le fait. Voilà, il est super bon, mon téléphone portable. Et à côté de ça, nous avons le héros qui fait son Pegasus Ryuseiken. Alors, ça va être des vidéos un peu montées. Comment vous expliquer ça? Alors, je filme avec mon téléphone portable avec l'astuce de mon pote Minos Minas d'utiliser une boîte à œufs. Et qui marche plutôt pas mal. ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour les blisters. Je vous dis à tout de suite. Pour vous, à tout de suite, à moi dans quelques minutes, le temps d'ouvrir cette boîte. Et je vous dis à tout de suite. Petite chose avant d'ouvrir les blisters, sachez que quand vous enlevez la surboîte, enfin le surplastique qui est juste là, vous avez la boîte qui se révèle, enfin qui ressemble beaucoup à en fait, comment dire ça, à la Pandora Box de Pégase, donc avec les petits signes ici, et puis le Pégase en lui-même, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir et je vais vous montrer tout simplement les blisters. A tout de suite. Et nous voici avec la figurine, le premier blister de la figurine où on voit la figurine, tout simplement la figurine. Bon, allez, je vais pas faire de chipotage ou quoi que ce soit, tout le monde a eu cette figurine, tout le monde la connaît. Ce qu'on peut voir, c'est, moi je vais pas faire le même critique que ce que feraient certains, c'est-à-dire que moi je trouve le visage vraiment, vraiment beau de cette figurine-là. Et vous allez voir qu'il y aura d'autres visages là. Donc là, ça c'est le premier blister avec le personnage. Alors... ce que j'ai vu, bon, j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeurs et de collègues youtubeurs qui ont fait des vidéos de review de figurines. C'est vrai que le rouge, surtout au niveau des genouillères et des boules d'articulation au niveau des jambes, est beaucoup plus foncé que le reste. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'à l'avenir, je vais quand même acheter des lycras histoire de cacher un peu tout ça. Bon, c'est des figurines articulées, hein, on est bien d'accord, on voit les articulations, on a le modèle un peu X avec cette espèce de boule justement au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc le visage, je sais pas si vous allez réussir à le voir, attendez, est-ce que je peux, est-ce que si je soulève, putain c'est énorme, vous voyez le visage, moi je le trouve pas dégueulasse, hein. Moi je le trouve assez joli, hein. Franchement pour dire, il est vraiment propre, hein. Attention,
Il fait la point. Merci. Vous voulez voir le cul de Pégase ? Allez, vous allez voir son boule. Voilà, non, je rigole. Donc, le personnage avec les différentes parties de la mûre, les petits protège-mains. Là, ce sont les mains nues. Nous allons avoir les mains avec l'armure dessus. Faut rien dire, hein, c'est Pégase V2. C'est celui qu'on retrouve à l'arc Asgard, l'arc Poséidon. On va tout de suite passer. On va passer au totem. Bon, après le totem, pareil, rien de plus à dire. Je veux dire, voilà, c'est le totem de Pégase. Là, on a la ceinture, on a les fameuses ailes. Qui met les ailes, sérieusement, qui mettrait les ailes à Pégase? Et on a le torse qui est juste là. Bref. Passons. Ce qui est assez important, c'est ce blister-là. Parce que sur cette figurine-là, en fait, ce qui est bien, bon, il apparaît pas dans. En fait. En broken, comme ça, il apparaît que dans l'arc Hades, au chapitre du sanctuaire. Mais ils ont quand même fait l'effort de nous faire de nous inclure dans ces figurines-là des armures broken. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, ces figurines-là, je crois qu'elles sortaient à combien 50 ? Et mon chat qui est en train de faire le con. On va pas faire attention. À 50, 60 euros. Allez, si, quand on voit Saga, des Gémeaux X, Surpli, Shura, Deathmask et surtout Camus et Aphrodite au prix qu'ils coûtent. Et sachant que pour le pack de Saga, Camus et Shura, l'armure broken, vous l'avez dans un pack à part. Moi, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. On a les différents visages que je vais vous montrer là. Fais le point. Voilà, différents visages. Moi, je trouve vraiment joli, quoi. J'ai rien à dire. Bon, peut-être un gueule un peu bizarre quand il gueule comme ça, bref. Bon, moi, j'opterais vraiment pour le visage soit à yeux fermés ou le classique, à voir. De toute façon, dans cette vidéo-là, fais la pointe. Fais la pointe. Coucou, fais la pointe. Là. Voilà. J'opterais peut-être pour le visage soit le classique ou alors le visage yeux fermés. On verra bien. Donc, c'est ce blister-là qui est le plus intéressant. Bon, maintenant, je vous dirai pas combien je l'ai payé. Ces figurines-là se font un peu rares. Ah, écoute. Mais de toute façon, maintenant les Miss Clos coûtent la peau du cul, c'est complètement abusé. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter cette figurine. Vous voyez Chaton, regardez Chaton en exclusivité mondiale, qui est en train de regarder, qui est en train de se dire comment je vais pouvoir faire chier mon maître? Comment je vais emmerder mon maître? Oui, c'est moi. Chaton, fais pas comme si on te voyait pas. Je vais. Écoutez, vous savez quoi, on va même pas faire de coupure. On va tout de suite commencer par monter la figurine. Alors, je vais vous monter la figurine. Je pense sincèrement. Avec l'armure classique. Ok, alors ça va très bien. Chaton ne les a pas vus. Oui, alors pour moi, on va aller. Voilà, vous allez avoir ça, vous serez content, voilà, nanana. Ça vous... ouvrir les blisters, ouais, je pourrais vous couper ça, non, allez, on va faire un peu à l'ancienne. Bon, c'est une figurine d'occasion que j'ai eue, et qui pour le moment, pas si... Ben, elle est quand même encore assez rigide, moi, le gars qui me l'a vendu m'a dit, t'en fais pas... Oh putain, mais à savoir une chose, les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de Miss Clos. Et la sensation. Alors, bon, ce qui est con, c'est que c'est à travers la vidéo que je suis en train de vous faire la pause. C'est pas très optimal parce que je vous montrerai une photo du setup. Non, on va pas trop courber. Non, c'est un setup de ouf. Hein. Et bon, la table est un peu glissante, donc à mon avis, il va avoir peut-être un peu de mal à tenir. Voilà, oh qu'il est beau. Oh, il est magnifique. Peut-être redresser un peu le buste, peut-être. Pour essayer de faire quelque chose de sympa. Oh, ouais, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est, pour vous dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de Miss Clos. Je vais courber un peu plus là. Ça fait tellement longtemps, je peux vous garantir. Alors, savoir que ces figurines-là, c'est vrai qu'elles commencent à être de plus en plus chères. Alors, je suis pas trop d'accord. C'est pour vous expliquer, avant, je voulais faire surtout les V1. Et le problème qu'il y a... Ne te casse pas la gueule, s'il te plaît. Tu seras gentil, merci. Non, mais c'est parce que le pied est pas droit. Voilà.
Oh, c'est magnifique. Après, bon, là, au niveau pause, oh, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps, en fait, que j'ai pas fait de pause. Chaton qui veut s'inviter à la vidéo. Non, mais chaton, tu vas pas t'amuser avec Pégase. Tu vas le laisser tranquille. Ah, d'accord, tu vas le laisser tranquille, s'il te plaît. Tu t'en vas. Va-t'en, dégage. Non, elle veut pas partir. Ouais, mais ça fait tellement longtemps. Wow. J'ai plus l'habitude. En fait, le truc qu'il y a, ce qui est fou, c'est que j'ai plus l'habitude de faire une pause. J'ai plus l'habitude. Bon, allez, on va monter cette figurine. On va enlever les petits pieds. Ça, par contre, ça change pas. J'avais l'habitude de faire ça. Allez, on va enlever la tête alouette. Alors, il faut que je fasse gaffe, j'ai que 20. Merci le téléphone. J'ai que 20. Comment vous dire ça? J'ai que 20 pour 28 minutes de vidéo, donc ça va être un peu compliqué. Voilà, bon, la figurine qui est dépourvue de rien. On va commencer d'abord par les jambes. Alors, je sais pas si je vous montre bien. Bah, après, je suis débutant, les enfants. Je suis débutant. Hop là, les petites jambes. On va lui mettre les pieds. Alors, pareil. Ouais, j'ai fait le kiki. J'ai fait le Jean Kevin Premium. Ça va pour ceux qui me connaissent sur YouTube et tout le bordel, Jean Kevin Premium. On va plus faire comme ça. Jean Kevin Premium connaissent. Hein, c'est... Salut, c'est moi. Il est où le chat? Voilà. Bon, déjà, il ressemble à quelque chose. Je vais mettre les genouillères. Je pense que pour la vidéo, non, je vais vous le laisser en armure classique. Après, peut-être que quand j'aurai fait le diorama et tout ça, attendez, on va le poser par là. Je vais aller chercher un peu l'autre genouillère. Tac, voilà. Je sais pas si je filme bien comme il faut. Après, bon, le problème qu'il y a, c'est comme je vous dis, j'ai pas l'habitude de tourner. Bon, déjà, ça fait pas mal. Ça, c'est joli. Allez, les pieds. Par contre, il commence à être lourd, c'est une figurine d'occasion, il commence un peu à avoir. C'est un peu lourd pour lui, quoi. Bon, faut l'excuser, hein. C'est un jeune homme de 14. Oui, ils ont 14 ans, je crois, hein, les chevaliers de bronze. Alors, par contre, merde, il va falloir jouer l'autre blister, merde, fait chier. Ah, fuck. Alors que j'ouvre l'autre blister. Pour les autres. Bah, ça va être comique, hein. Je pense qu'à mon avis, certains vont rigoler. Hein. Angelo Rey et les autres potos, vous pouvez vous foutre de ma gueule, hein, y a pas de soucis. Ah, voilà. Te casse pas la gueule, connasse. Ouais, ça fait tellement longtemps, putain. Pour vous dire, j'étais comme un gamin, pour vous expliquer, j'étais comme un gamin qui recevait un cadeau de Noël. Quand j'ai reçu la figurine, j'étais comme un gamin. C'est hallucinant. J'étais comme un enfant, c'est un truc de malade, et à savoir que ça fait un bon moment que j'ai pas reçu de Miss Klaus. Alors, au niveau des mains, on va partir sur une sur le point fermé. Chaton qui est hyper intéressant, je peux vous garantir que alors là, on va prendre ce point là, si vous voyez, et on va l'intégrer ici. Bon, je pense que j'ai pris le bon et on va mettre une main. Chaton, fais pas la pute. Comme celle-ci, je sais pas si vous pouvez. On va prendre ce type de main. Pas trop quoi, bon, ouais. Bref, vous avez... On va lui mettre le casque aussi. Bon, gros souci qu'il va y avoir, c'est que finalement, pour vous expliquer, merci d'être tombé, t'es passé où toi? C'est du direct, c'est un peu du direct live. Bon, à part le vidéo d'introduction et tout le bordel, mais c'est un peu du direct live. Hein. Ah, t'es un peu mal dégrappé. Ça vient du Zenith. Ça a été un peu mal dégratté, je pense qu'à mon avis ça c'est surtout du... Pour vous montrer en fait, voilà, le protège-main là sur tout le côté. Ça se voit bien. Je
chaton qui fait la con. Gage, va-t'en, sale bête. Bon, bref. Et ça, ça vient du film. À mon avis, ils ont du mal à les dégrapper, parce que, à mon avis, les pièces sont dégrapées. Chaton qui voulait vous faire coucou. Mimine qui voulait vous faire coucou. Bon, voilà, déjà, on a quelque chose de sympatoche. On peut avoir quelque chose d'assez sympa. Ça ne peut pas faire le grand écart. Avoir quelque chose de plutôt cool. Après mon niveau des potes, moi j'avais pas été un jeu, hein. Tout de suite, je me démerdais, je m'inspirais de des potes, mais j'étais pas un dieu. Demandez à Angelo Rain, Angelo Rain, lui c'est le dieu de la pose. C'est un dieu. Hein. Je sais pas, niveau de... peut-être comme ça pourrait pas mal. Bref, demandez à Angelo Rain. Angelo Rain, il va vous regarder, il va dire oui, je suis un dieu de la pose. La ceinture. Enfin, il a du mal à faire le focus. Hein. Voilà, là vous la voyez bien. Voilà, j'ai des projets de décor et tout ça. C'est pas joli, ça rend pas si mal que ça, ça rend pas si moche. Le pied est un peu bizarre. Ça saute un peu, c'est pas grave. Ça saute. Chaton qui regarde d'un air du genre. Oh putain, ça peut m'exciter. Elle a jamais vu ça, hein. Je pense qu'à mon avis. Elle a jamais vu quelqu'un monter une escalade, c'est pour ça. Alors, ouais, c'est le... Ah putain, ça saute. Ah putain merde. Oh putain de merde. En fait, bon, c'est bon. J'aurais jamais dû faire des vidéos sur les escalades. C'est nul. Voilà. Mais ça, lui donner une pause un peu définitive. Et ça fait tellement longtemps. Tellement longtemps, je peux vous garantir que ça fait bizarre. Franchement, techniquement, ça fait vraiment bizarre. Puis surtout que bon, après, je suis pas trop trouvé. Ce que je ferai, c'est que pour la pause, je vous la montrerai. Enfin, c'est mes. Si avant, j'avais fait des vidéos sur ma collection, j'avais fait un peu ce que faisait tout le monde, quoi. Je veux dire, j'avais tenté de faire une vidéo sur mes collections. Enfin, présenter ma collection, disant voilà, ben ça, j'ai ça et tout le bordel. J'avais essayé de faire une vidéo de montage de figurines. Je m'en souviens à l'époque, c'était pour comment il s'appelle. C'était pour le ah merde, c'était le Scorpion ex OCE. Et on va essayer de lui donner quelque chose. On va essayer de lui donner une pause plutôt pas mal. Je pense que voilà, si le pied il part de travers, ça va pas être top. Essayez de s'inspirer un peu d'air, de l'animer un peu pour justement faire une pose qui soit pas trop mal. Demandez à Angelo Rain, et franchement, allez spammer à Angelo Rain en lui demandant en fait, t'as une pose pour mon Pégase, pour mon Pégase V2. Ah, il va être fier, ah, il va être content. Ah, il va vous la faire. Un autre truc aussi, s'il vous plaît, allez faire chier Angelo Rain. Demandez-lui. Le serpentaire, c'est quand que tu le fais? Angelo, t'avais promis le serpentaire. Angelo, tu nous avais dit que tu ferais le serpentaire. Faites les gens, Kevin, un peu. Là. Là, on a quelque chose de plutôt plus cool. Alors, ça va être bizarre au niveau de ma voix. Là, on a quelque chose de plutôt sympatoche. Alors, vous avez vu ma tentative de faire dégager chaton. Là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Le chaton est très décidante. Bah, écoutez, trop belle. Trop belle. Ah, je suis conquis. Je suis conquis comme un petit peu à mes débuts. Comme un petit peu au début. Là, la pose est pas si mal que ça. J'aime bien cette pose. J'aime bien cette pose. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je voulais faire des trucs, machin, des patins couffins. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo des collections de Kiki. Est-ce que je mets les passages où je fais virer le chat? Je pense que je vais les mettre en bonus. Je ferai des petits bonus, je ferai des coupures et tout bordel. En tout cas, bah,
niveau rendu, je suis trop, c'est trop trop beau, quoi. Je suis trop trop content. Regardez, il est magnifique. Il est, je suis même comme ça. Regardez, vous le mettez comme ça, avec la tête un peu plus en coin là, comme ça. Regardez. Ah, oh, ça rend vachement bien. Là, on aura peut-être quelque chose de bien. Là, limite la main est gêne. Limite la main, je la mettrai plus là. Voilà. Plus quelque chose comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'on va se retrouver avec une vidéo hyper longue. Voilà. Si je bouge un peu le téléphone, que je vous mets là. Ouais, ça avait coupé. Donc, voilà. Donc là, on voit bien le... Elle est... Non, elle est belle cette pose. Franchement, je suis content de moi. Elle est vraiment, vraiment pas mal cette pose. Elle est vraiment super. Bon, mais écoutez, les amis, on va se laisser là pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'essaie de... Donc, là, c'est le téléphone portable comme il faut. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était des nouvelles vidéos, je pense. On va essayer de faire ça comme il faut. Ce que je vais faire, je vais faire le montage. Je vais vous sortir la vidéo le plus vite possible. Excusez-moi si elle est peut-être pas si parfaite que ça. C'est vrai que bon, c'est un peu mes premières vidéos de ce genre-là. Il va me falloir un peu de temps pour pouvoir m'améliorer et tout le reste. On verra bien. Et c'est un peu, mais je suis trop content parce que comme je vous dis, je suis comme un gamin, quoi. Je suis comme un gosse, quoi, qui découvre qui a eu ses cadeaux de Noël, quoi. Tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, chaton. Chaton, mais viens, chaton. Je vous dis ciao, bye bye tout le monde. C'était la collection Kiki pour Mr. Kintaro 15, Kintaro Video Game. Je vous dis ciao, bye bye tout le monde.